Alors là, on a Roubaix et les jeunes, ils organisent un spectacle, c'est trop bien. Et là, on a l'équipe de YouTube qui est cool, qui est contente. On est bien à Roubaix, hein. Franchement, ça va être une bonne journée, hein. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller le godasse et se marrer, et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les coups de boer, et les frères ou de loup qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et Mistral gagnant. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut, s'envoler les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnants, les Mistral gagnants. Thank you.
penses que ça va être comment, Robé, aujourd'hui? Je pense que ça va être plein d'énergie. Ouais, moi aussi, j'allais dire la même chose. Des bonnes énergies, hein. Ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de bonnes idées. Ouais, ça a l'air. En tout cas, il y a beaucoup de sourires, oui, pour l'instant. On a eu un bel échauffement là, avec vous, le spectacle. Des gros appétits à Roubaix. Et ici, on a une équipe de tournage qui fait un reportage sur... Depuis 5 ans, je crois. 3 ans de Corée, 2 ans de Corée. Tous vous clashez ce soir. On va être un bon break beat à l'ancienne, tous là. Tu disais, même des fois, c'est juste aller parler avec les gens, aller écouter leur histoire. Des fois, les gens, ils ont besoin de nourriture physique, mais c'est aussi une nourriture humaine, de se dire, voilà, je te prends en considération, là, t'es en difficulté. Mais on se considère comme des êtres humains, comme on disait tout à l'heure, c'est les liens du sang, on a tous le même sang qui coule dans nos veines, ça a la même couleur, et c'est ça justement le concept de fraternité, c'est de se dire une personne est en difficulté, je suis pas indifférent, ça me touche. Comme moi, c'est l'exemple que je donne souvent aussi en présentation, vous avez vu en voiture ou dans le métro, des fois on est sollicité par des gens qui sont dans le besoin, et moi j'aime bien observer les gens, des fois je vois des personnes qui... dans leur voiture, n'adressent même pas un regard à la personne qui vient toquer pour demander un petit peu de sous. Tu te dis, même des fois, si tu n'as rien, juste un regard, désolé, etc. Et même juste de rentrer en communication avec cette personne, même par le regard, c'est important, c'est de le considérer. Voilà, et de se dire, voilà, je sais que toi, tu es en galère, ça pourrait être nous. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et... maintenant qu'on avait fait des annuels, on avait loué un petit truc, on donnait des repas aux immigrés. D'accord. Ok, donc c'était comme des maraudes en fait. Ouais, en fait c'est comme des maraudes, sauf qu'on était dans un point fixe, on était passé dans tous les deux pour les amener. Pour leur dire de venir. Pour leur dire de venir en fait, pour faire un petit coup de communication. D'accord. Et en fait on avait récolté des couvertures, des habits que personne mettait, plein de trucs comme ça. On leur donnait des habits pour les enfants, des petits jouets pour leur... D'accord. Et vous avez du monde qui est venu? Ouais. D'accord. Là où j'habitais, il y avait un SDF et... j'avais des habits, ça fait, je ne les ai pas donnés directement comme ils n'étaient pas là. Tu les as posés. Voilà, et après un jour, je les ai vus avec et ça m'a fait plaisir. Avec la compagnie district et le pôle ressources jeunes, c'était super. L'année passée, en fait, on est parti en Asie à la rencontre d'enfants des ONG qui vivaient dans la rue, etc. Et on a échangé avec eux, on a dansé, on leur a donné des workshops, on a fait un petit spectacle ensemble. Ok. Donc l'action même culturelle, tu peux la décliner, en faire quelque chose de solidaire et d'humanitaire. Moi, en fait, des fois, quand je vois des gens, je leur donne de l'argent. Mais un jour, en fait, j'avais ma carte bleue. Les filles. J'avais ma carte bleue sur moi et il y avait des Roumains qui étaient à côté de mon retire. Et j'avançais et j'avais pas de ma carte bleue, elle était tombée. Mais c'est la Roumaine qui m'a dit que ta carte bleue, elle est tombée. Elle m'a rendu. Et j'ai fait demi-tour et je voulais passer. Au début, j'avais pas beaucoup d'argent, je voulais pas lui donner, mais je lui ai donné. Ouais. Parce que j'ai vu qu'en fait, en gros, elle m'a pas remarqué en fait. Voilà, elle m'a dit que c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. J'ai une amie qui s'est retrouvée, je sais pas, dans la rue. Ouais. Donc, elle s'est retrouvée plusieurs jours dans la rue et elle savait pas où son air, elle fait appel à plusieurs personnes, ses amis les plus proches. Et elle a ressenti un vrai lamp de fraternité parce que tout le monde était là pour l'aider, ouais. Autant dans la nourriture, dans l'hygiène, elle faisait chez des amis, loger là-bas. Et je trouvais que c'était une belle leçon de vie. Ouais, ok. Et donc voilà. Ouais,
C'est une belle histoire. Une très belle histoire. Comme quoi, voilà, même si dans la difficulté, on se dit, ouais, on est tout seul, mais en fait, on n'est pas tout seul. Il suffit des fois de juste de toquer aux bonnes portes et de faire part de son état pour que justement, il y ait une réaction, un vrai élan. La désolidarisation, je pense que ouais, on peut l'inventer. Ça n'existe pas, tu l'as inventé, ça veut pas exactement dire voilà. L'égoïsme. L'égoïsme, d'autres mots, hein, la sûreté. La sûreté, quand t'es sûr, quand t'es. Je suis pas sûr que ce soit le contraire. Le département de la police, pas sûr. S'il vous plaît, silence plateau. Quels autres contraires de fraternité vous pourriez me donner? Des contraires. Les contraires. Marine Le Pen. Je ne vais pas faire de politique avec toi, mais bon, c'est une idée. Il y en aura une qui est bien. Ah bah c'est toute la famille. La discrimination, très bien. L'égoïsme. Le racisme. Il marqua un but, il a fait ce geste étrange. Toujours ce même rituel. Une allusion évidente à Jésus de Nazareth. Et si Zlatan Ibrahimovic n'était qu'un complot de l'église catholique? Regardez ces villes où a joué Zlatan. Malmö en Suède, Barcelone, Milan et Paris. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh oui, quand on les relie, ça donne exactement la croix de Jésus-Christ. Et Zlatan Ibrahimovic est né en 1981, donc cette année, il fête ses 33 ans. Comme par hasard, l'année et l'âge de Jésus de Nazareth à sa mort. Zlatan a même son verbe « zlatané » qui est entré dans le dictionnaire. Et à une lettre près, Zlatané est l'anagramme de « Nazareth ». Dans une pub, on voit Zlatan. Coucou, on va découvrir le pôle jeunesse de Shaper. Actuellement, on se passe la formation YouTube. On a vraiment de la chance d'accueillir différents profils au sein du pôle jeunesse de Shaper. Depuis que j'ai eu la chance de rencontrer Laetitia, je vais pas vous mentir, habituellement l'écologie et toute la suite, c'est vraiment pas mon délire. Mais là, franchement, c'est une ouverture c'est un nouveau pas vers l'écologie. Et je suis vraiment contente de l'avoir connue. Elle est super, super sympa. Malheureusement, actuellement sur YouTube, beaucoup de youtubeuses, c'est triste à dire, mais sont superficielles. Et je pense que c'est pas du tout le cas à Laetitia. Et vraiment, ça m'a fait très, très plaisir de la connaître. Donc, Laetitia, quand tu veux prendre cette vidéo, big up à toi. Et voilà, à travers cette vidéo qui sera en plusieurs parties, on va découvrir le pôle jeunesse de Shaper. Et notamment, on va briser ce cliché des gens de Roubaix. À tout de suite. Salut Habib. Salut. Donc, ça, c'est Habib, hip-hopper. Danseur, popper depuis 4 ans. Fais tout. Allez, tu peux nous faire une petite démo? Une petite démo? Vas-y. Ok. Wouh! Aïe! Voilà, ça c'est de Roubaix. Donc je suis sa sœur, hélas. Sale tête. T'inquiète, après tu l'auras. Pour le gars qui installe le festival. Ça c'est Mams. Donc hip-hopper, région de Roubaix. Hip-hop. Ça c'est Flight. Aïe, il connaît. J'ai trouvé tout le monde. Bon, lui 4 fois. Ouais. Lui ça va être sa première fois parce que c'est son baptême. La meuf l'américaine une fois. Ouais. Tout le monde, quoi, tout le monde. Donc très bon joueur. C'est un crapaud de bon merci. Ok, 3, 4. Et donc il me faut 3 acteurs assis et un acteur qui est debout, c'est ça? Je suis assis. Bon. Donc pour travailler, on va travailler sur le téléphone que Lisa nous a préparé. Je pense que la réelle dit, ça tourne. Action. Puis il faut attendre quelques secondes avant de jouer.
pour les acteurs. C'est très important parce que quand on fait le montage, s'il n'y a pas assez de place entre l'action et puis les gens qui commencent à jouer, on va avoir des problèmes de montage. Puis couper quand c'est fini. Si vous murmurez, on ne vous entend pas. Et dans une vidéo, le plus important, c'est le son. Au-delà de l'image même, c'est le son. Parce qu'une vidéo qui n'a pas un bon son, tu peux pas la regarder. Une vidéo qui n'a pas une bonne image, mais un bon son, tu peux la regarder. Action ! Et Marie-Bette, de fou ! Eh, les go ! Et Marie-Bette, une histoire de dingue, J'arrivais, une histoire de dingue. J'étais là, j'étais avec mes potes, on se balade, je vois qui ? Devinez, je vois qui ? Qui ? Devinez, je vois qui ? Qui ? La couche ! Mais non, je rigole, y'a rien. C'est un coupé ! C'est bien. C'est bien, hein. Faut leur dire eux, faut les inviter. Yes! Fais-moi un petit montage tranquille. Ah! Oh, c'est de bruit en chantant là, parce que moi je suis à côté, j'arrive même pas à lire mon journal, c'est simple. Excusez-moi monsieur, vous étiez en train de rendre hommage à mon frère qui est mort au Bataclan. Si vous pouvez nous joindre, ce serait pas de refus. Je suis désolé, je savais pas du tout. Je vous en prie. Merci. Bonjour. Vivre ensemble est impossible, comment ne pas passer par ces bagarres terribles. Les couleurs de notre arc-en-ciel sont divisées, elles se disputent entre franchises. Les mots ont donné naissance à la haine, à la peine, toutes nos valeurs sont en colère. Elles sont lunaires et les constats murent entre eux, je les empêche de se mélanger. Elles aimeraient mettre le feu aux idées qui viennent les déranger. Ça peut jouer. Après, si je peux me permettre, visiblement sur les autres villes, il y a eu plein d'histoires en rapport avec les SDF, tout ça. Et l'idée, ce serait que vous essayiez de trouver un truc qui vous distingue tellement que vous êtes proche de gagner. Si on fait tous pareil, finalement, peut-être que le jury peut entendre quelqu'un qui a fait une histoire qui n'existait pas. Ouais. Mais c'était une très bonne histoire. Juste, tu arrives au milieu de la tournée, donc les gens l'ont déjà vachement fait, malheureusement. Et du coup, ton idée à toi ? Du coup, mon idée à moi, c'est plutôt un concept, tu vois ce que je veux dire ? J'ai vu beaucoup de, par exemple, en regardant les extraits, des scènes qui se passent dans la rue, on se bagarre, etc. Moi, je pense que, comme je suis dans un chorégraphe, je suis plus dans l'idée de partir sur un truc créatif. Tu vois ? C'est bien ça. Et j'ai pensé à un délire. Moi, j'ai développé une danse avec, tu vois, les doigts, et aussi avec d'autres parties du corps, mais c'est assez statique. Tu vois, et du coup tu peux raconter plein d'histoires, tu vois, tu peux partir d'un truc très simple, tac, tu peux faire plein de trucs, tu peux faire des waves, tu peux construire. C'est clair que si lui il est dans les mains, ça veut dire qu'il est dans de la communication. Ça, c'est un langage. Exactement, les mains c'est un langage, et ça va faire trop d'informations si tu donnes déjà une information avec les mains, et qu'ensuite tu donnes une information avec le son, et qu'en plus il y a de la musique. Les gens vont pas comprendre. Donc, moi j'aime quand c'est simple, quand c'est minimaliste, et là pour le coup c'est super minimaliste, j'aime bien. Mais ça va être une bonne idée. Si vous êtes partant, ouais, je suis partant. Donc on parle pas et il n'y a pas d'éléments comiques. On n'est pas obligé de faire de la comédie. Ouais. Toi tu voulais faire de la comédie ? Absolument ? Non, absolument. Cool. On n'est pas obligé de faire. On peut transmettre plein d'émotions sans passer par le rire. Et ça peut être un bon moyen aussi de se distinguer parce que, effectivement, dans les autres villes, il y a énormément de comédie. Ouais, mais je sais pas comment on va faire. Passer le message. Mais là, c'est un savant, t'as tout dedans. T'es acteur de main. De toute façon, tout le monde sera acteur. Ouais, parce que même le réel, tu peux. Moi, l'idée, c'est d'avoir plein de mains. Mais je vais même demander à des autres gens de participer. Ouais, tu peux. C'est pas un problème, c'est très bien. Comme s'il y a juste une main qui fait ça. Au niveau du concept. Ouais, vous êtes tous mis d'accord dès le début. Il y a eu de la bagarre, il y a eu du. Non, on a discuté entre nous, on s'est mis d'accord sur.
Ouais. Un truc original. D'accord. On voulait sortir du lot, on a vu qu'il y avait pas mal de choses qui se ressemblaient. Ouais. On voulait voilà, utiliser les compétences de chacun, comme on est dans l'artistique. Moi je suis danseur, il y en a qui sont dans la musique. Vous allez essayer un peu de conjuguer tout ça. Voilà, on essaie de rassembler les compétences pour, mortel. Pour partir sur un délire intéressant. Nous ouais. C'est simple. Plus bas. Ouais, on est petits. Nous c'est simple. C'est un gars, il va en Thaïlande. Je rigole pas. Non, en fait, donc l'histoire c'est quoi? C'est quelqu'un, en fait, une personne qui est toujours sur son téléphone. Et en fait, elle calcule pas ses potes. Elle calcule pas ses potes, en fait. Donc ses potes ont des problèmes, etc. Et en fait, cette personne-là ne les écoute pas. Et en fait, ses potes lui disent que, à force d'être tout le temps sur son téléphone, cette personne va terminer dedans. Donc un matin, elle se réveille, en fait, elle est enfermée dans le téléphone. Et pour sortir du téléphone, en fait, elle est dans un jeu. Elle se retrouve dans un jeu qui s'appelle Pokémon Go. Et pour sortir du téléphone, elle doit retrouver tous ses potes. Elle doit retrouver ses potes et justement se réunir pour pouvoir sortir du jeu. Pour ça, on a besoin d'un programmeur. Avant de faire ça, faut prendre. Mais merde, on dit bien ça. Bon. C'est sûr que c'est là. Bah oui, c'est là. Il y a une tonnelle et tout. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Et nous, on va débouler. Eh, vous allez voir comment ça va chauffer là. Eh, moi, je blague pas avec les mecs de Roubaix. On s'est fait clasher la dernière fois. Ah, ça va être chaud. Donc là, on est dans l'after. De toi-même, tu filmes et on va aller voir des jeunes qui participent. Donc nos jeunes qui participent à un battle. On va voir ce que ça donne. On a Nico qui est très chaud là. Là, tu sais quoi, j'ai travaillé ma coupole devant l'épaule, ça va être chaud là. Je m'échauffe un peu, je m'échauffe voilà, le petit doigt. Bam, 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 bam,